C'est vrai que c'est un film qui est très lié à mon histoire personnelle, dans le sens où j'ai eu la chance de partir en Antarctique à 24 ans. J'ai passé 14 mois là, lors de mon premier voyage. J'étais alors étudiant en biologie. Et j'ai rencontré à la fois ce milieu incroyable et cette espèce, manchot empereur, qui m'a profondément marqué. C'est à mon retour d'Antarctique que j'ai décidé de changer de métier et de devenir documentariste. Et c'est vrai que depuis ce temps-là, je me disais un jour, quand j'aurai les compétences pour le faire, je ferai un film sur le manchot empereur. J'ai fait plusieurs voyages en Antarctique depuis, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, parce que je trouve que leur histoire est vraiment quelque chose de purement épique. C'est une véritable épopée naturelle. La difficulté de ce tournage, c'était sa durée. Effectivement, c'est un investissement humain très fort que de partir un an comme ça sans pouvoir revenir. Bon, je crois que j'ai répondu à la question là. C'est la principale difficulté finalement. La raison, c'était la légèreté du matériel. On savait qu'on ne pouvait partir qu'une toute petite équipe, puisque durant l'hiver, seul Laurent Chalais et Jérôme Maison faisaient des images. On n'avait pas le choix, on ne pouvait pas mettre une plus grosse équipe pour des questions de moyens logistiques surtout. Il n'y avait pas des chambres, de la place sur la base scientifique sur laquelle nous logions pour loger une grosse équipe. Donc il fallait faire léger. Et également pour minimiser l'impact vis-à-vis des animaux. Donc le choix du Super Cerf s'imposait finalement. Ils collaborent entre eux dans une certaine limite, dans le sens où ils sont prêts à partager leur chaleur, et ça c'est pas la moindre des collaborations. En revanche, le destin de chacun est complètement indépendant de. Voilà, il n'y a pas plus d'aide, d'entraide que ça, finalement, si ce n'est pour résister collectivement au vent et au froid. Oh.